Le collège, c'est le lieu qui a été choisi par nous pour mettre en œuvre le grand plan numérique dans le cadre de la refondation de l'école pour améliorer notre système scolaire. Bonjour Jean-Marc Berriot. Bonjour. Claude. Trois ministres pour faire le point sur la refondation de l'école de la République et à Canopée. On fait le point ? Ah ben, à Canopée, on fait régulièrement le point. En tout cas, on a été amené, c'est vrai, à faire un petit bilan là récemment avec l'ensemble des directions territoriales, des directeurs territoriaux pour mesurer aussi le chemin parcouru. C'est vrai que la réforme telle que nous l'avons mis en place depuis 2012, donc il y a une certaine, on va dire, confluence avec la refondation de l'école, puisque la refondation du réseau Canopée s'inscrit aussi pleinement dans la refondation de l'école sur un meilleur accompagnement des enseignants dans leur pratique pédagogique et dans l'évolution de leur pratique pédagogique. Donc c'est en ça réellement que nous avons été amenés à porter la refondation du réseau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde le travail que nous avons pu faire depuis 3 ans, que ce soit dans la refonte de notre politique éditoriale autour des 3 univers éditoriaux éclairer, maîtriser, agir, ou encore sur la transformation de nos lieux de proximité et les ateliers Canopée à travers une nouvelle offre de services totalement repensée, ben c'est vrai qu'on a fait un bout de chemin. Il nous reste encore beaucoup à faire et je pense qu'il y en est de même aussi pour la refondation de l'école, c'est-à-dire qu'on a engagé le mouvement, on a déjà délivré quand même aussi et mis en place plein de choses. Aujourd'hui, il y a encore des paliers à franchir et on se met en marche aussi pour les franchir. Alors, le plan numérique fait partie de la refondation, enfin, ouais. C'est un des éléments de la refondation. Il n'empêche que le plan numérique, c'est aussi des ressources. Ouais. Et les ressources, c'est aussi Canopée. Alors, comment vous situez-vous aujourd'hui ? Alors après, il y a plusieurs éléments. C'est-à-dire que, vous le savez, nous, Canopée se positionne réellement sur l'accompagnement des enseignants. Il y a la question de la ressource élève aussi, qui est une autre question qui est portée, bien évidemment, par d'autres acteurs, et en particulier les éditeurs scolaires. Nous, on est vraiment sur cette logique de la médiation, c'est-à-dire comment aujourd'hui renforcer tous ces enjeux autour de la médiation. Je pense qu'il nous faut là aussi intégrer de nouveaux métiers. C'est pour ça, entre autres, que dans les ateliers, nous avons des médiateurs en charge de la médiation de ressources, mais aussi des médiateurs de formation, mais aussi des médiateurs sur ce qu'on appelle le co-design et la scénarisation pour accompagner les enseignants dans la production de contenu. C'est tous ces enjeux-là aujourd'hui qui sont importants pour nous. Donc nous, on est là pour accompagner, pour développer bien évidemment des contenus, mais aussi beaucoup de services. Et c'est en ça que prochainement, par exemple, on sera amené à pouvoir lancer Canoprof, qui est une nouvelle offre pour permettre à chaque enseignant d'avoir des outils de scénarisation de leurs cours. C'est aussi, bien évidemment, continuer à déployer via Eduque, le réseau professionnel des enseignants. C'est aussi s'appuyer sur Magistère, que nous accompagnons aussi là depuis plus de 2 ans et qui aujourd'hui montre aussi son efficacité. Donc c'est développer des contenus, mais surtout aussi offrir un certain nombre de services. C'est comme ça aussi que se pense le numérique aujourd'hui et c'est comme ça aussi que nous accompagnons le plan numérique. Et donc c'est un élément fondamental de la formation continue des enseignants bien dont sûr. Il a été question. Là, la question de la formation continue des enseignants, et comme le ministre l'ont rappelé ce matin, c'est un enjeu crucial et très important. Nous, bien évidemment, on a une place à jouer dans ce domaine-là, à travers, là encore, et bien évidemment, de la production de contenu, la production des parcours magistères qu'on a été amené aussi à déployer et qui aujourd'hui, je pense, sont aussi une réponse à certaines questions autour de la formation continue. Donc, encore du chemin à parcourir. Oui, bien sûr. Ce qui se passe, c'est que je pense que ça a été aussi rappelé, la pédagogie n'est pas fixe, il faut toujours aller de l'avant. C'est un rapport au temps aussi qui se modifie, parce que nous avons des outils qui modifient le rapport au temps. Donc, c'est tous ces enjeux-là aussi qu'il faut prendre en compte. Et bien évidemment, il faut continuer la transformation du réseau, il faut continuer à faire qu'on puisse rendre un meilleur service à la communauté éducative. C'est sur ce sur quoi repose la refondation du réseau Canopée. Merci beaucoup Jean-Marie. Merci, à bientôt.